Bonjour tout le monde. On vient juste de terminer le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, ici en Tunisie. Avec nos partenaires, on poursuit notre travail pour promouvoir la langue française, autant chez nous qu'à travers le monde. Tout au long du sommet, le Canada a été une voix forte pour la démocratie et les droits de la personne. On a aussi beaucoup parlé d'économie, de ce qu'on peut faire pour créer des bons emplois durables et aider les gens avec la hausse du coût de la vie. Le français, c'est une langue qui nous tient à cœur et c'est une langue qui fait partie de qui on est en tant que Canadien. On va toujours être là pour appuyer la mission de la francophonie de promouvoir la langue française, entre autres, en appuyant l'éducation et la formation. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir pour soutenir l'Agence universitaire de la francophonie, ce qui va aider, par exemple, à améliorer l'accès à un enseignement de qualité. Ces efforts s'ajoutent aux investissements qu'on a annoncés plus tôt cette année pour des bourses d'études qui visent en majorité des pays de la francophonie. Je peux aussi annoncer que le Canada va renouveler son financement en soutien à l'OIF pour promouvoir la langue française, mais aussi pour renforcer la démocratie et les droits de la personne et encourager une économie forte et durable. Pour ce qui est du développement durable dans le Sahel francophone, on a investi pour soutenir différents projets, notamment au Burkina Faso et au Mali. Cette région comprend les pays parmi les plus pauvres au monde. Ce sont des pays qui vivent de la violence, de la famine et de l'instabilité. Ces projets vont, entre autres, offrir à des milliers de jeunes femmes un meilleur accès à l'éducation et à des services de qualité liés à la santé sexuelle et aux droits reproductifs. Ils vont aussi aider à prévenir et répondre aux violences sexuelles. Au Mali, devant l'insécurité alimentaire, on va investir dans le projet Action sur l'agriculture et la nutrition pour aider les régions rurales démunies. Canada will continue to be there to support democracy, peace and security around the world. Today I'm announcing that we're investing in the new Democracy in la Francophonie initiative to provide fast and flexible support to partner countries. This will help address emerging challenges and threats to democracy and human rights, and it includes help to make societies and governments more resilient in dealing with disinformation. Aujourd'hui, la ministre Joly et moi avons organisé une rencontre en marge du sommet pour parler de la situation en Haïti. On a annoncé de l'aide humanitaire, du soutien pour aider à rendre Haïti plus sécuritaire et plus de sanctions. On a encouragé nos partenaires à faire leur part aussi. Le Canada et Haïti ont des liens très forts entre nos populations. Je pense à la communauté haïtienne de Montréal, que je connais très bien et qui contribue énormément à notre société. Cette instabilité touche souvent des membres de leur famille, alors on est là pour appuyer les gens d'Haïti, et on sait que pour obtenir des impacts durables, c'est important que les solutions soient dirigées par les Haïtiens. Que ce soit pendant les sommets dans la région Indo-Pacifique, ou plutôt cette semaine, ou ici en Tunisie pour le sommet de la francophonie, nos priorités sont les enjeux qui sont importants pour les Canadiens. Les changements climatiques, l'éducation, la hausse du coût de la vie, les effets de la pandémie, ce sont des enjeux mondiaux qui nécessite des solutions mondiales. En étant autour de la table des décisions, le Canada fait partie de ces solutions. On continue notre travail pour créer des bons emplois pour les Canadiens et des opportunités d'affaires pour nos entreprises pendant qu'on bâtit un monde plus propre et sécuritaire pour tous. Merci tout le monde.